Ok, je crois qu'on est au complet. Alors, je me présente, je m'appelle Cheval de Troie et c'est moi qui vais animer cette réunion aujourd'hui. Nous avons parmi nous deux nouveaux, je vous laisse vous présenter. Alors, moi, c'est Spyware. Moi, c'est Malware. Et concrètement, ça fait pas mal de mois déjà qu'on est au chômage à cause de NordVPN. Ouais, et c'est dur. C'est très très dur. À cause de, pardon? NordVPN. D'accord, et c'est quoi? Non, mais vous êtes sérieux, les mecs, là? Vous connaissez pas NordVPN? Bah non, enfin, vous pourriez peut-être nous dire ce que c'est? Oh non, mais on va pas leur faire de la pub en plus! Mais si, vous pouvez, ça fait partie de la thérapie. Allez. Bon, bah alors, NordVPN, ça permet de protéger les données, les adresses IP de tous ses utilisateurs sur 5300 serveurs répartis dans 60 pays. Ce qui leur permet d'avoir accès au contenu de n'importe quel pays. Hein. Donc, s'ils veulent voir un Grand Prix moto ou une compète de sumo diffusée au Liechtenstein, eh ben, c'est faisable. Et ils peuvent faire ça de n'importe quel appareil, hein, peu importe qu'il soit sous Windows, macOS ou Android. Et en plus, ils peuvent en connecter jusqu'à 6 à la fois. Et ça bloque l'entrée aux trackers, aux malwares, spyware, enfin à nous tous quoi. Et comme si ça suffisait pas, ils ont rajouté NordPass, un générateur de mots de passe bien costaud, et NordLocker, un cloud sécurisé qui garde les fichiers chiffrés et accessibles de n'importe où. Ah dis donc, c'est fou ça, et ça marche. Ah bah un peu que ça marche, eh. À chaque fois les mecs ils disent si vous allez sur le lien qui est dans la description, vous aurez une réduction sur votre abonnement. Ah bah tu penses que les mecs ils y vont, hein? Ah oui, dis donc, c'est pas mal ça. Je pense que je vais prendre un abonnement de 2 ans parce que depuis quelque temps j'ai l'impression qu'on essaye de pirater mon téléphone. Non mais vous foutez de nous! Écoute, tu sais quoi? On va se tirer d'ici, hein? De toute façon c'est nul, il n'y a même pas d'alcool. Ça devait bien faire pas loin de 5 ans qu'on n'avait pas parlé d'un film Tremors. Et étant donné que Fred Ward nous a quittés il y a quelques semaines, je pense que ça pourrait être sympa qu'on lui rende un hommage à notre manière. Tremors 2, Les Dents de la Terre. Eh. Hey. Hein? Hein? Vous avez compris, hein? La référence? Hein? Hein? Eh. Hey. Hein? Hein? Bon, par contre, par rapport au titre du film en VO, ça n'a rien à voir. Tremors Aftershock, ça veut pas dire Les Dents de la Terre? Nope. Aftershock, ça veut dire réplique. Dans le sens réplique de secousse sismique. Puisque Tremors, ça veut dire secousse. Mais pourquoi ils ont appelé ça les dents de la terre alors? Bah parce que pourquoi pas? Donc, Les Dents de la Terre est un vidéofilm fantastique américain sorti le 9 avril 1997 et réalisé par Steven Wilson. Il a surtout officié comme scénariste sur des films comme Miracle sur la 8ème rue, Wild Wild West et une bonne partie de la saga Tremors. Puisqu'il a scénarisé le 3 et le 4, a réalisé le 2 et le 4, et a produit le 1, le 3 et le 4. Et tant qu'à parler de ça, il y a 5 ans, la saga Tremors ne comptait que 5 films. Et bien aujourd'hui, il y en a 2 de plus. Autant vous dire que Les Monstres de l'été, il va y en avoir pendant un moment. Des années après les événements survenus dans la ville de Perfection, les Graboïdes font leur retour dans des champs pétrolifères du Chiapas, au sud du Mexique. L'un d'eux a pris en chasse un ouvrier dont on ignore le nom, mais que je vais appeler Carter. Et à ce moment-là, Carter ne s'est pas encore fait écraser par un T-Rex, mais a déjà été tué par un prédateur. Et il va pas tarder à se faire boulotter par un graboïde. Parce que jouer à la marelle sur des bidons, ça excite le graboïde. Et il finit par le gober. Et quand il y a des graboïdes, qui est-ce qu'on appelle? Kevin Bacon? Ah non, Kevin Bacon, il est dans l'espace, là. Cette fois, il n'y a que Earl, qui vit à perfection, seul dans sa caravane, avec son élevage d'autruches. Ouais, c'est un peu triste. Val et Rhonda ont quitté la ville, ils se sont mariés et ils ont fait fortune en créant des produits dérivés inspirés par les graboïdes. Sauf que Earl en a pas vraiment profité. J'aurais dû surtout avoir un bon avocat. Mais Carlos Ortega, le propriétaire des champs pétrolifères du Chiapas, lui propose de l'engager pour tuer les graboïdes qui boulottent ses ouvriers. Dans un premier temps, Earl refuse, mais le taxi qui a conduit Ortega, Grady Hoover, arrive à le convaincre. Il a dit 50 000, mais pour chaque graboïde. Et tape carrément la cruste pour en croquer lui aussi. On fait affaire. Bravo, bravo, je me joins à lui. Ah, oh, muy bien, muy bien. Le mec est vachement gonflé. Bon, alors, vous êtes d'accord pour les 50 000 dollars par tête? Ouais. Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça à la perfection. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais moi aussi, je veux en être. Pourquoi je pourrais pas? Mais parce que vous êtes mon Uber, putain. Finalement, Earl accepte. Je pourrais l'inviter à dîner. Qui?
Mi-octobre 1974. Chacun sa motivation, et les voilà partis au Mexique. Et une fois arrivés au bureau de la Petromaya. Ah non, pas la voix off de Carnosaur, hein? Ça va pas recommencer. Ortega leur donne le matos qu'ils ont demandé à l'armée, à savoir de la dynamite et des voitures télécommandées, et leur présente la géologue Kate Riley et son assistant Julio, ainsi que Pedro, un mécanicien. D'ailleurs, Carlos a ajouté une petite mise à jour au contrat. Nous sommes prêts à doubler le prix si vous arrivez à capturer une de ces créatures vivantes. Kate montre à Earl les endroits où les graboïdes ont été repérés, mais lui, c'est autre chose qu'il a repéré. Remarque, elle aussi. Ça m'a l'air d'être des bons gros dégueulasses, les deux. Bref, Grady installe une chaîne super bruyante au cul du 4x4 pour attirer les graboïdes, et c'est parti pour la chasse aux vers géants. En plus, Kate et Julio ont placé des sismographes un petit peu partout dans la région pour pouvoir trianguler la position des grosses bêtes et la reporter sur un genre de GPS installé dans le 4x4 d'Earl. Donc, dès que l'un d'eux est détecté, ils s'arrêtent, mettent en place leur piège et... Bingo, les premiers 50! Ah oui, alors, c'est vrai que Grady est nouveau, mais nous, on sait que le graboïde s'attache. Tiens, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. C'est que ça tâche... Et s'attache. Bah ouais, les tentacules, ça... Bref. Ils enchaînent une série de 9 morts à 50 000 $ la tête, ce qui fait quand même 450 000 $, soit 225 000 $ chacun, c'est pas mal. Et en plus d'être lucratif, ça a l'air plaisant comme taf. Ils passent même la nuit à la Belle Étoile. Sur des rochers, bien sûr, pour éviter de se faire bouffer. Il ferait mieux de se taire. Ah ouais. Pauvre coyote. Mais faut pas oublier que les graboïdes sont pas cons. Parce qu'à un moment, l'un d'eux chope la chaîne qui est attachée au cul du camion et tracte le véhicule en marche arrière jusqu'à une falaise. Ah tiens, il sait que les falaises ça craint. Il a dû voir le premier film à mon avis. Donc il reprend son chemin jusqu'à ce qu'il plante le 4x4 sur un rocher et appelle ses potes pour le déjeuner. Earl et Grey se carapatent à toute vitesse pour pas finir en engrais et appellent du renfort. Ouais. Salut Burr, c'est Earl. Eh ouais, le dingue de la gâchette de la ville de perfection va leur prêter main forte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Burt a été plus précis et plus gourmand qu'eux quand il a fait ses courses chez l'armée. C'est pas un peu beaucoup, hein? Alors comme ça, il paraît que vous avez une invasion de salamandres du Danube? Oui, c'est l'horreur. Ouais, je veux bien vous croire. Vous avez l'équipement que je vous ai demandé? Oui. Hop, tout est prêt. Ah. Vous êtes sûr pour le lance-grenade? Ah ouais, croyez-moi, avec ces saloperies, on n'est jamais assez préparé. Personnellement, si j'avais à chasser des monstres, j'aimerais bien être équipé comme ça. Et il en a même profité pour s'offrir deux ou trois petits trucs. Et tu crois qu'avec ça, on va arrêter les guerres? Imagine, t'en as besoin, t'en as pas. T'as l'air d'un con. Moi, je trouve que c'est plein de bon sens. Donc, la chasse reprend, et cette fois, c'est carrément une compétition entre Earl, Grady et Burt. Mais Burt est prêt comme jamais. Il leur donne des rations de survie, il tient un journal de bord, et il fait même des expériences avec les explosifs. ...9 kilos de C4 semble peut-être un peu... excessif. De leur côté, les deux trackers des troncs souterrains se plantent en camion après avoir été surpris par l'un d'eux. Mais il semblerait que le colosse ait mal digéré un truc, parce qu'il bouge plus. On n'a qu'à le capturer, on l'aura vivant. 2 x 50, Earl. Enfin, faut quand même attendre le camion qui doit les dépanner et remorquer le verre de Montbéliard. Mais il tarde à venir. Alors ils attendent le camion sur un fond d'explosion de graboïdes jusqu'à ce que... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que ça va pas pour lui. Et effectivement, ça va pas fort. Et même pas fort du tout. On l'a bouffé, regarde. En 2 minutes, et si quelque chose en était sorti, il s'est transformé en autre chose, comme la chenille. Seulement là, je crois franchement pas qu'il en ait sorti un petit papillon. Donc a priori, quelque chose sort des graboïdes. Mais quoi? Avec ces putains de verres, on va de surprise en surprise. Et encore, t'as pas vu Tremors 3. Ils reviennent au 4x4 et voient le camion de Pedro se garer et rester un long moment immobile. Ils prennent tout le matos et le sismographe et le rejoignent. Mais une fois près du véhicule, ils constatent que le camion semble être passé dans une broyeuse. Et Pedro aussi. Pris de panique, ils foncent à la tour radio qui est pas loin, mais c'est le même délire. Et en plus, quelque chose approche. Et ça a l'air... tout petit. Et vilain aussi. Tu crois que c'est ça? Bien sûr, c'est pas une autruche. Une autruche, non.
Mais ça ressemble vachement à un poulet. Ou plutôt, ça ressemble au résultat d'une folle nuit entre un facochère et un poulet. Un facolet. Ou un poulaire. Un poulaire, c'est cool. Donc, les graboïdes donnent naissance à des poulaires avec une curieuse coupe de cheveux. Earl et Grady lui règlent son compte et foutent le camp parce que d'autres arrivent. Dans le même temps, Bert s'inquiète. Il n'a plus de signal radio de ses potes et il n'y a plus de graboïdes. Mais pour le moment, il a plusieurs gens à régler, puisqu'il fait la connaissance avec ceux qui seront baptisés plus tard les hurleurs. Mais poulaire, c'est sympa. Au petit matin, Earl et Grady sauvent Kate des crocs d'un hurleur qui s'est fait un brunch de Julio un peu plus tôt. Un brulio. Ou alors, un runch. Non, brulio, c'est mieux. Bert fait lui aussi son retour, mais c'est pas vraiment la grande forme. Je n'ai plus aucune munition. Une chose qui m'était jamais arrivée. Par contre, il a une surprise qui va leur permettre d'étudier les hurleurs de plus près. En gros, ils apprennent que les hurleurs détectent leur proie avec des capteurs de chaleur qu'ils ont sur la tête. Ils communiquent entre eux avec la chaleur qu'ils dégagent en criant, et une fois qu'ils ont bien mangé, ils se reproduisent. Ils sont hermaphrodites. Quand ils ont suffisamment de nourriture, ils... Et il y en a un autre, alors un devient deux, deux font quatre. Ah ouais, ça c'est des explications scientifiques. C'est plus aussi bien qu'avant, c'est pas sorcier. Hein. Eh dis donc, Jamy, c'est quoi hermaphrodite ? Eh bien, c'est simple. On dit d'une créature qu'elle est hermaphrodite à partir du moment où elle a à la fois les organes sexuels mâles et femelles, soit par intermittence ou de manière permanente. Il suffit alors à la créature d'ingurgiter suffisamment de nourriture pour ensuite... aboutissant... à la naissance d'un bébé. Bon, tout ça c'est bien, mais pendant qu'il cause, un des hurleurs qui s'était planqué comme un ninja sous le camion de Bert a bouffé toutes ses rations et s'est multiplié. Comme il les attaque, nos héros foutent le camp et se cachent dans un bâtiment, ou plutôt une façade de bâtiment. Et pour rejoindre la seule voiture encore en état de marche, ils trompent la vigilance des hurleurs en utilisant les portes de chantier pour dissimuler leur chaleur. Et manifestement, ça fonctionne. Par contre, il y en a un qui gobe la lune entre eux et la voiture. C'est donc l'occasion pour Bert de faire joujou avec son fusil. Et c'est sacrément efficace. Voire même un petit peu trop efficace, puisque c'est passé à travers tout et n'importe quoi, y compris le moteur de la voiture. Je voulais le maximum de pénétration. C'est ce qu'elle disait. Donc, grâce à Bert, le plan voiture s'est foutu. Et comme les gallinacés du précambrien leur courent après... Ah oui, j'ai zappé de parler de ça. Plutôt dans le film, Kate découvre que les graboïdes sont apparus au précambrien. Une période géologique qui s'étend de la formation de la Terre jusqu'à il y a moins 540 millions d'années. C'est vieux. Donc, les bestiaux leur courent après, Bert finit dans un godet de tractopelle et les trois autres au sommet d'une cuve de pétrole. Et comme il n'y a rien d'autre à faire, bah ça blablate, ça s'engueule. On est coincé sur une putain de cuve avec ces espèces d'engins qui feront tout pour nous bouffer. Et j'ai aucune envie de ça. Oh d'accord, et naturellement c'est ma faute. Bien sûr, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Si j'avais eu des munitions, j'aurais pu finir le job. On se tait. Mais au détour d'une discussion un peu plus posée, Kate apprend à Earl qu'elle a été playmate. Et comme par hasard... Octobre 74. C'est dingue. C'est pas possible. Ouais, c'est sympa de rencontrer ses idoles. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est que les hurleurs ont trouvé le moyen de les atteindre. Bah, ils sont pas idiots, c'est pourri. Carrément. Heureusement pour eux, Bert est toujours en bas. Il attire alors toutes les bestioles dans l'entrepôt et les coince. Alors oui, c'est cool, mais dans l'entrepôt, il y a de la bouffe. Et donc les hurleurs s'en donnent à cœur joie et vont sûrement être des centaines dans quelques heures. Pour les arrêter, Earl a une bonne idée. Se couvrir de neige carbonique pour masquer sa chaleur et activer les charges du camion pour faire péter les vilains petits canards. Le plan marche bien, sauf qu'une fois les charges activées, la neige fond. Et elle dévoile petit à petit la chaleur de son corps aux hurleurs, qui essaient alors de le grailler. Il leur échappe de peu grâce à une lance à incendie que les autres ont fait passer par la fenêtre du toit, et tout le monde est sain et sauf. Ah bah non, il y a les explosifs. Kate, où vous allez ? Une Grady. Bombe, full camp ! Mais quel genre de bombe ? Aucune idée, j'ai tout jeté dans ton camion. Tu quoi ?
Non, plus loin. Ça va être le Big Bang. Ah oui, effectivement, vu ce qu'il y a dans le camion, ça risque... Ah oui, la vache. Ah, effectivement, c'était le Big Bang, ouais. Bah, au moins, il n'y a plus de hurleurs. Il n'y a même plus rien dans un rayon de 200 mètres. C'est très rare qu'une suite de films soit meilleure que l'original, mais ça arrive. Et Tremors 2 fait partie de ces films. D'ailleurs, le film était prévu pour une sortie en VHS, mais les projections test ont été tellement élogieuses qu'ils ont retardé la sortie du film pour le sortir au cinéma pour seulement quelques séances. Et sa genèse est vraiment touchante. À partir de 1993, Universal était chaud pour faire Tremors 2. Initialement, le film devait être tourné en Australie pour un montant de 17 millions de dollars, soit 7 de plus que l'original. Mais la condition était que Kevin Bacon et Reba McEntire soient de la partie. Sauf que le premier était en train de tourner Apollo 13 et la seconde était en tournée. Donc le projet a été abandonné puisque niveau grande star, il n'y avait personne. Sympa pour les autres. Mais une partie des acteurs et les studios ADI qui avaient travaillé sur le premier Tremors et qui devaient travailler sur celui-là ont décidé de baisser leur cachet pour que le film se fasse quand même. Et ça, c'est beau. J'adore les graboïdes. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Et heureusement qu'ils ont fait ça. Parce que ce film est vraiment chouette. Alors, bien sûr, c'est pas le mieux écrit des scénarios, hein. Il y a quelques scènes un peu simplettes ou gnagnantes, comme l'histoire entre Earl et Kate, mais franchement, c'est solide. L'idée d'évolution chez les Graboïdes, c'est pas mal. La menace change. D'ailleurs, c'est une chance qu'ils aient pas pensé à faire intervenir les Graboïdes en même temps que les Hurleurs, parce que sinon les personnages s'en seraient pas sortis. Et les personnages, parlons-en, tiens. C'est pas grave si Val et Heather sont pas de retour. Earl et Bert suffisent largement. Leur alchimie fonctionne bien, d'ailleurs avec Grady aussi, ça fonctionne bien. Et ils sont bien construits, bien écrits. Le film est drôle, alors peut-être un peu mou par moment, mais franchement, c'est une solide série B au même titre que le premier film. Je trouve qu'il est vraiment marrant. Earl et Bert sont énormes. Il y a plein de petites phrases comme ça que je trouve vraiment tordantes. Et honnêtement, la VF y est pour quelque chose. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début du film, la chasse aux graboïdes a l'air d'être une partie de plaisir. Il n'y a pas la tension et la peur omniprésente du premier film. Mais à partir du moment où ils comprennent que la menace n'est plus sous terre, mais sur terre, ça devient immédiatement tendu. Et en plus, comme c'est la nuit, le côté flippant marche encore mieux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, tout le monde, à peu près, a baissé son cachet pour que le film se fasse quand même. Mais au final, il a coûté combien ce film ? 4 tout petits millions de dollars ! Mais ça a suffi à faire de nombreuses marionnettes et surtout des effets numériques. Et quand on le compare à des poids lourds sortis en 96-97, comme par exemple Cœur de Dragon, Jumanji, Independence Day, Le Monde Perdu, Jurassic Park, Twister ou encore Men in Black, et qu'on compare le budget et le temps de présence d'images numériques à l'écran, eh ben franchement, Tremors 2 s'en sort pas si mal. Bon, le film a 26 ans et ça se voit, mais franchement, ça reste propre. Les images de synthèse ont été créées par les studios de Phil Tippett. On en avait déjà parlé dans l'épisode sur Jurassic World, et comme toujours avec lui, les effets spéciaux sont de bonne qualité. D'ailleurs, les mouvements des hurleurs sont fluides et cohérents, et c'est même un petit peu dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus. D'ailleurs, comme dans Jurassic Park, le mélange numérique-animatronique apporte un vrai plus au film. Même si, bon, les marionnettes sont vachement limitées dans leurs mouvements. Le budget étant serré, ADI a recyclé 2-3 trucs du premier film. Un graboïde grandeur nature qu'ils ont remis à neuf et emmené en camion jusqu'au lieu de tournage, et le système avec la tête de graboïde qui sort du sol. D'ailleurs, pour cette séquence, ils ont construit une plateforme sur laquelle ils ont reconstitué le terrain herbeux que le graboïde devait traverser. Pour les hurleurs, ça a demandé un peu plus de boulot. Déjà, il a fallu trouver un design intéressant. Et pour le coup, il l'est. Clairement, ils sont la continuité des graboïdes, mais sur Terre. Économie oblige, les hurleurs se ressemblent tous. Donc, il y a eu besoin de faire qu'un seul moule pour au final sortir une dizaine de spécimens. Ils ont fait deux animatroniques, dont l'ossature articulée permettait de bouger la tête, le cou, la queue, ainsi que la langue. Et il fallait 16 opérateurs pour en animer un seul. Et c'est fou de se dire qu'il en fallait autant pour un truc aussi petit. Ils ont aussi fait 3 marionnettes qui pouvaient être animées par un opérateur qui se glissait à l'intérieur, et 3 autres entières, mais inarticulées, qui ont été utilisées dans les scènes où ils se font tirer dessus ou explosent. Et pour éviter de faire un mini-hurleur qui aurait coûté des sous et du temps, ils ont utilisé une marionnette en taille réelle, qu'ils ont placé dans un décor de cage de grande taille. C'est pas plus simple que ça, et ça fait effet. Et pour l'explosion du bâtiment, ils ont utilisé une miniature. Au final, la seule chose qui a été impactée par le budget, c'est le lieu de tournage. Initialement, ça devait se faire en Australie, et finalement, ils l'ont fait au Mexique. Et d'ailleurs, le tournage a duré 27 jours, ce qui est plutôt court pour un film. Enfin, remarque, je dis ça. Nous, on l'aurait fait en 2 jours.
La musique du film a été composée par Jay Ferguson, un compositeur américain qui a travaillé sur Freddy 5, Double Dragon, Tremors 4, et sur des séries comme Les Contes de la Crypte, sauf pour le générique qui est de Danny Elfman, The Office, et même sur quelques épisodes de la série Tremors. Parce que oui, il y a une série Tremors. Sa bande originale est bonne, mais il n'y a pas moyen de la trouver. Alors sur YouTube, il y a un morceau, c'est le thème principal, qui d'ailleurs est très sympa. Il y a un petit côté redneck, aventureux, on aurait presque envie de faire de la moto là-dessus. Mais par contre, il n'y a pas moyen de vous faire écouter le reste. Parce qu'il y a des morceaux vraiment chouettes, hein, notamment dans les passages un peu flippants ou dans les moments d'action. Mais du coup, faudra vous contenter de ça, parce que... impossible de les trouver. Sur la mise en scène, j'ai pas grand-chose à dire. J'aime l'ouverture du film où on voit les montagnes et puis les jambes de Carter qui passent, ou quand on passe sous lui du point de vue du graboïde. Il y a aussi les passages de nuit qui sont stylés, l'éclairage rend bien. Ça participe à l'angoisse provoquée par la menace inconnue qui plane. Et il y a aussi cette scène que je trouve sympa. Earl et Grady pensent que ce qui va surgir est grand, et au fur et à mesure qu'ils visent plus haut, le plan s'agrandit, jusqu'à ce qu'on voit le petit poulet sauter au milieu du cadre. C'est simple, mais la mise en scène fait le taf. En même temps, c'est pas un film qui cherche à révolutionner le cinéma et la mise en scène. Avant de parler du casting, je vous invite à revoir l'épisode sur Tremors, parce qu'il y a deux ou trois trucs que je vais sauter. Fred Ward, qu'il repose en paix, a côtoyé du grand monde tout au long de sa carrière. Mais personnellement, je l'adore pour Tremors et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Et on le verra peut-être dans un hors-série, puisqu'il a joué dans la série Détective Philip Lovecraft, qui est largement inspiré des récits de Philip Lovecraft, le père de Cthulhu. S'il y en a bien un qui a dû s'acheter une baraque à Malibu grâce à Tremors, c'est Michael Gross, puisqu'il a joué dans tous les films Tremors et même dans la série. Avant ça, c'est la série Sacré Famille avec Michael J. Fox qui l'a fait connaître. Et lui, on le reverra dans le film Jurassic Commando, dont voici un extrait. Hélène Shaver, la seule femme du film, est connue pour avoir joué dans le premier Amityville, dans La Couleur de l'Argent de Martin Scorsese et dans la série Les 4400. Elle a aussi réalisé quelques épisodes de la série Au-delà du réel. Quant à Christopher Gartin, on a pu le voir dans Flight Plan avec Jodie Foster, Black Swan avec Natalie Portman, Transcendance avec Johnny Depp et Mother de Darren Aronofsky. Quant à Carter, c'est le cascadeur Thomas Rosales Jr. qui a joué dans plus d'une centaine de films et je pense qu'il doit mourir dans 75% d'entre eux. Je vous conseille vivement Tremors 2 si vous avez aimé le premier film ou tout simplement si vous êtes curieux. Parce que c'est un film qui est sympa, qui est divertissant, qui est drôle. Et puis, il a cette petite touche que les séries B des années 90 avaient... Super, une prise de foutu. Tu peux aller répondre. Oh non, après faut parler aux gens et tout. Bon bah coupe, je vais aller... Parce que j'ai un problème. Quel genre de problème ? Un problème de fantôme.